Bonjour. Comme vous le savez, la reproduction est une fonction essentielle du monde vivant. Dans la majorité des cas, les êtres vivants vont obtenir une descendance grâce à une reproduction sexuée. Pour cela, comme l'illustre cette photographie, un mâle et une femelle doivent se rapprocher pour permettre la formation d'un nouvel individu qui se formera à partir, par exemple ici, de l'œuf produit à l'issue de l'accouplement. Suivant les espèces et leur milieu de vie, les modalités de la reproduction peuvent varier. Et nous verrons, par exemple, que la truite ne se reproduit pas de la même façon que les oiseaux ou que les mammifères. De même, chez les végétaux, vous savez qu'il y a nécessité de grains de pollen sur le pistil pour la formation d'une graine. Et donc, chez les végétaux, on retrouve aussi la reproduction sexuée. Cela veut donc dire que globalement, la reproduction sexuée nécessite deux parents. Dans certains cas, et en particulier chez les végétaux, nous verrons que la reproduction sexuée peut se réaliser à partir d'un seul parent. Alors bien évidemment, dans ce cas, les nouveaux individus formés vont posséder des caractères particuliers et on parle alors de reproduction asexuée. Nous allons donc nous demander comment s'effectue la reproduction des êtres vivants dans leur milieu de vie.